Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va hyper bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas du tout originale. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo back to school. Comme la rentrée arrive à grands pas, et bah on se prépare tous. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc, je vous préviens que je n'ai pas tout acheté. C'est juste que j'ai gardé de l'année dernière qui n'était pas dégradée. Et des choses que j'ai eues dans le pack du collège. Donc voilà. Donc voilà le premier produit. J'ai acheté des Sharpies. Donc c'est vraiment bien pour faire des DIY. En gros, je vais l'utiliser pour faire mes fiches. Pour les fiches d'évaluation. Et en plus, je vais pouvoir faire des beaux DIY avec ça. Donc ensuite, je me suis pris des Marking Bic. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça allait peut-être ressembler aux Sharpies. Mais comme il n'y avait pas vraiment toutes les couleurs dans les Sharpies, du coup, j'ai pris. Donc après je me suis pris un kit de la rentrée en fait. Et en gros c'est, vous avez plein de choses genre des punaises, des trombones, des grandes trombones, des petites attaches et des grandes attaches. Donc je me suis pris des post-it, donc voilà. Je mettrai tous les prix ici en fait. Donc voilà. Voilà, donc je me suis pris des crayons à papier, donc voilà. 4. Après je me suis pris une règle, donc une petite règle, j'ai pris la toute simple en vrai. J'ai pris un rapporteur aussi. D'ailleurs du coup j'ai racheté un classeur pareil. Donc en vrai il est trop beau, je trouve il est jaune pastel, il est méga beau je trouve en vrai. Donc après on passe à l'agenda, vraiment tout simple, pas cher. Et vraiment il est dur parce que les mots avec moi ils se cassent en deux, genre vraiment vraiment. Après on va passer au pack. Donc en vrai tous les cahiers sont, tous les grands cahiers sont comme ça. Donc c'est les cahiers vous savez qu'on a quand on est petit, genre quand en primaire quoi. Genre c'est vraiment les cahiers de primaire, du coup ils coûtent pas cher. C'est peut-être pour ça que le pack du collège ils l'ont pris. Du coup là enfin c'est des cahiers donc je m'en fous un peu, même si j'aurais bien aimé avoir les nouveaux qui sont sortis de chez Oxford. Mais bon enfin c'est des cahiers donc pas la priorité quoi. Donc après j'ai des petits cahiers comme ça, donc pareil que qu'on avait en primaire. Voilà, et rouge et blanc. Donc ils nous ont pris un petit classeur pour des fiches Bristol. Ils nous ont pris une pochette comme ça. En vrai elle est cool, mais je préfère celle que j'avais montré tout à l'heure. Parce que celle-ci elle est en carton et vraiment moi elle dure vraiment pas long. Les dernières choses qu'ils nous ont pris c'est des feuilles sans pochette comme ça. Donc voilà. Mais moi j'en avais pas vraiment besoin parce que tous les ans enfin je récupère mes pochettes et j'en ai 30 000 à la maison. Bon, après j'ai des copies simples à petits carreaux, donc voilà pareil. J'ai des copies simples à grands carreaux et des copies doubles. Donc pochettes que ma soeur m'a passé, voilà. Donc elle est vraiment pas du tout dégradée, donc voilà. Donc je la garde et elle est vraiment cool. Donc je préfère celle-ci à celle de tout à l'heure parce qu'elle est rigide et genre elle se casse pas quoi. Donc après pour la trousse de crème couleur, j'ai pris la même que l'année dernière. À la base c'est trousse de maquillage ou quoi. Donc je n'ai pas utilisé genre les crayons. C'est tous comme ça en crayon. Tous comme ça les crayons de les feutres de l'année dernière, donc pas. Dans cette trousse là je la garde si c'est. Du coup voilà, donc j'ai un ciseau aussi que je garde, donc voilà. Oh, que j'ai gardé aussi. Je crois qu'ils sont vraiment tout. Donc voilà, ils sont vraiment. Donc voilà, donc j'ai un petit compas que j'avais et c'est vraiment, vous allez voir que ça sert à rien d'en racheter un autre, enfin vraiment il est tout propre que ça. Et un taille crayon, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou alors à vous abonner ou à commenter si vous voulez, à partager la vidéo si ça vous dit. Et voilà, donc je vous dis à bientôt.